Être réveillé par le facteur et découvrir ceci, c'est la marque Icewatch qui m'envoie chaque fois leur nouvelle collection. Je suis trop contente. Deux montres. Coucou, bienvenue dans ce nouveau vlog. Ouais, super contente. Je vous montrerai après leur collection. Et le programme aujourd'hui. Alors, la fameuse coiffeuse, qui, les cartons sont là. Eric va me la monter tout à l'heure. Pendant que moi, je dois aller à Leclerc avec ma maman parce qu'on va organiser un petit apéro dînatoire très 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 prochainement. Moi, je vais m'occuper de tout ce qui est feuilletage, dessert. Donc, on va aller regarder un petit peu tout ça ensemble. Et à mon retour, normalement, la console sera montée. On va installer deux trois petites choses. Et comme je vous disais, le dressing, je vais juste déblayer, commencer parce que c'est pas avant le 15. Alors, je ne suis absolument pas obligée de vous en parler. Hein. C'est pas la marque qui me dit, c'est vraiment, il me l'envoie et je fais ce que je veux avec. Donc, on a deux modèles, petit, grand. Et alors, j'ai là, comment ça s'appelle? La Lagon, Ice Color Lagon. Et la Ice Color plus grande, Jungle. Belle découverte de notre nouvelle collection Ice Color. C'est hyper pop. Et on a tous ces modèles-ci. Alors, voici la première. Donc, c'est la Lagon, petit modèle, toute mimi. Et la Jungle, modèle plus grand. Je vais l'essayer quand même. Je vais vous montrer. Vous allez voir la différence entre les deux. Voilà, les modèles. Donc, le petit ici. Et le plus grand. Sinon, est-ce qu'on parle de tout sur les vlogs? Je crois que oui. Donc, sachez une chose, quand même, je vous ai dit que j'avais pris pour la première fois de ma vie la pilule. Ça fait aujourd'hui 27 jours. J'ai mal au ventre parce que, vu que c'est une pilule progestative qui n'est pas combinée, qui est censée stopper complètement mes règles pour plus que j'ai de migraines et tout ça. Il doit se passer un truc dans mon bide, genre mon corps il doit dire non, 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 je veux pas que ça s'arrête, et l'autre, si, il faut que tu t'arrêtes et tout. Et je sens qu'il y a une bataille au niveau de mes ovaires. Ça fait hyper mal, j'espère que ça va se calmer. Voilà, c'était la petite minute santé, le petit point. D'ailleurs, dites-moi si vous êtes sous projet. Moi, c'est la Optimizette G. Est-ce si vous l'avez, si c'est normal que ça fasse ça au bout de. Ça fait exactement 27 jours, donc 26 jours, donc on. Le petit miroir, ça c'est un bout de la console et le plus gros est déjà dans mon bureau. C'est cool là, de savoir que quand je vais revenir, ça sera fait. Et pendant que mon petit repas gastro, encore une fois, hein, ceci, je vais me faire ma petite liste pour pas oublier feuilletage, ce qu'il y a dedans, les mini-hardies, parce que je vais faire des petites mini-hardies, enfin je vais faire. Vous m'aurez compris. Voilà, on va noter tout ça. Un petit châle, les mignons, les pas mignons. Les mignons. Ah, je sais, je suis complètement gaga. Bon, on a dit. Et voici, ça c'est le deuxième, je vous dis. Carton. J'ai mal au ventre. Ouais, si je vous ai dit, ça sera ici. Alors, il va être bientôt l'heure, je vais vous montrer ma petite tunique. Ma petite tunique, ouais, ma tunique aussi. Ma tenue! Ça fait bien, petit legging, chaussures, je sais pas comment on appelle ça, petite boots un peu vernie. Je suis trop bien dedans. Et aussi, je vous avais dit, mais je sais plus si je vous l'ai dit là ou sur Insta. Franchement, ça c'est le truc, tu sais plus quoi, à force de faire sur les plusieurs réseaux en même temps, que j'avais tenté un peu le piano avec le piano d'Eric là un jour. J'en ai jamais fait un jour, voilà, parce que c'est mon rêve de jouer du piano. Et j'ai réussi à faire une composition perso. J'arrête pas de la faire, j'essaye de faire un petit peu plus long, de trouver quelques accords, mais quand t'as jamais fait de piano, c'est chaud. Mais j'adore le résultat. Là, je suis en train de chercher mélodie, paroles et tout, et ça claque. C'est pas mal. Bien évidemment, je peux pas vous faire écouter parce que même si j'ai vachement envie de vous montrer, de vous faire écouter, je voudrais pas qu'on me le pique. Et ouais, parce que ça peut arriver. Même si ça peut arriver. Voilà. La pâtisserie de Leclerc. Waouh, c'est beau. Et ça, est-ce que vous connaissez? C'est exceptionnel. Et tous les macarons. Mais j'ai trouvé en fait, j'ai pris des mini-hardis, je vous montrerai. Ah non, parce que je les laisse à maman. Bref, j'ai pris plein de petits mini-hardis sympas, vous verrez ça plus tard.
Bon, nous sommes rentrés. Il faisait une chaleur 31, plus le masque, on en pouvait. Comment ça? Oui, non, mais il fait extrêmement chaud. Il y a une croquette, deux croquettes sur ma table de. Je lui donné, il a dû se barrer avec. Ça, réhydratant, moi j'aime bien. Je le prends avec du. Je viens de m'en faire un là d'ailleurs. Avec du glaçon, ça. Clinette, antibactérielle, famille. Ça, c'est pour faire salle de bain. Salle de bain, Sif, 100% naturel, je connaissais pas, c'est, apparemment c'est une nouveauté. Pareil, il me fallait pour faire les vitres, j'ai pris le gros parce qu'il y a quand même beaucoup de vitres à la maison. La mandoline, je suis sûre que ça s'appelle pas comme ça, une râpe pour faire, et bah du râpe, des patates râpées. Ah ouais, t'as changé. Ouais, non, elle est plus mate. Avant, il était pas comme ça. C'est bon ça. Ça, parce que chèvre. Attends, regarde, j'ai trouvé des chaussons. J'ai hésité parce qu'ils ont l'air chauds, mais je m'en fous, j'aime bien être sous vide. T'en penses quoi? Ils sont juste magnifiques. Isotonnerre, 10 euros. Mais surtout, ils glissent pas parce que dans les escaliers, merci. Ils sont tout mignons. T'as acheté ça où? Sans discrétion. Bah, j'ai acheté à Leclerc, pourquoi? C'est à Leclerc, ça? Ouais. Je suis tombée dessus par hasard. Non, ouais, ça fait un moment que je cherche. Compote, pomme quoi? Ça doit pas les inventer. Des patates de Noirmoutier. Ça, c'est pour moi le midi, ça m'avait l'air pas mal, cabillaud prêt. Et puis, de l'eau, du sopalin, et voilà. Alors, wow, c'est très beau, c'est ils bien. Sont tous mignons. Et t'as les yeux en plus pour mieux voir. Ouh, loulou, elle est belle. Il manque plus que la petite chaise, et il y aura un coussin dessus que je... Ah, j'aime bien. Alors, il m'a dit que c'est au niveau du tiroir. Il trouve que c'est pas très pratique. Qu'est-ce qu'elle est jolie. Ça va bien, hein, ça sera beau. Voilà. Oh, ça va. C'est pas très haut pour mettre les produits, mais je les coucherai. Alors, je vous explique ce qui est prévu. Vu que... Ah, oh, bah alors... Ah oui, je comprends pourquoi il dit, effectivement. C'est, ça va pas, ça. Pour la fermer, c'est chaud. Bon, bref. Ici, vu que c'est blanc, il est hors de question de laisser comme ça. Je vais mettre du plexi sur mesure. Pour protéger. Qu'est-ce qui se passe? Bah... J'arrive pas à la refermer. Ah, oui, je t'ai... Mais c'est pas normal, il y a un problème. Je vais regarder mieux. Et regarde, pour notre coupe, là, ça va être chaud aussi, ça. Pourquoi? Parce que c'est rond. Pour faire du plexi sur mesure. Tout à fait. On va peut-être le faire plus petit, légèrement, pour qu'il arrive là. Ouais, pourquoi pas. Donc je suis descendu, je dis pour le plus petit. Non, franchement, ça va être très beau. J'ai voulu me rendre compte sans le miroir parce qu'il n'y aura pas. C'est chouette. Ça sera pas le siège. Hein. C'est pour me rendre compte aussi. Le tuyau, c'est un peu... Bon, pas tant pis, mais ça, c'est pas bien grave, je pense. Donc, il y aura le miroir ici, évidemment. Une petite ou deux petites déco, là. Tac, tac, tac. Ça peut être cool. Ça, ce sera le siège central là-haut de la coiffeuse, comme dit Eric. Oui, ce sera là où je pourrais enfiler mes petites chaussettes, par exemple. Ça va monter. Et bébé? Oui. Il y a le petit miroir. Merde. Oh là 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 là, c'est pas moi, hein, je suis pas tombée. Ça va? Ça va. Toujours impressionnant, hein? Ah bah si, c'est... oui, tu m'étonnes. Ah mais c'est vrai que t'as chaud, dis donc. Regarde mon fond. Mais dans ton bureau, il fait une chaleur. Ben, je te le dis. Pour l'heure, je vais lancer. Et je vais... Ah, t'as fini? Ah, cool. J'allais monter pour déployer les fringues et tout. Des petits, Ah oui, des petits trucs pour éviter que ça abîme le sol. Ouais. Voilà le petit siège. Alors, j'ai mis ça en attendant parce que j'avais repéré un petit coussin qui était à 3 ou 4 euros chez But. Donc, je vais le prendre, hein, finalement. Mais c'est sympa, hein. Très, très joli tout ça, là, les petits éclairages. Bon, c'est en attendant... Bon, cette fois-ci, je monte et je continue tout mon tri. J'ai essayé, c'est pas possible, il fait je sais pas combien de degrés. Après, je mette un thermomètre, ça pourrait être drôle. C'est suffocant, là, sous les toits, j'avais oublié. Donc, je vais descendre d'un étage, peut-être vers les coups de 4 heures du mat. Il fera bon. Et je vais m'avancer sur mon vlog. D'accord, tu descends, s'il te plaît, il fait trop chaud ici. Eh, viens, bébé, viens, on descend, il fait trop chaud. Bah vas-y, mets-le. Mais attention, je regarde pas. Non, mais tu le déplaces pas. Non. C'est vrai, c'est balayé. C'est joli. Voilà. Waouh, c'est trop mignon. Là. Ah ouais, c'est adorable. Vas-y. Tu as mis ta tenue pour travailler, toi. Avec les trous. Ah, là. Ça. Tu aimes bien? Ah bah là, je trouve ça très bien, moi je trouve que ça habille. Ça habille, hein?
sûr. Message des copinotes. Si tu venais boire un verre, Caro. Casquette. Lunettes. Il est presque 9h. On a tellement papoté. J'ai pas eu le temps de... Je vais pas vlogger. Et forcément, je ne vais pas cuisiner. Hein, j'ai l'heure. Je vais voir, je vais demander à Eric en rentrant ce qu'il veut manger. Ça y est, on a statué. Eric et moi. Et on a opté pour l'option McDo. On a peut-être des points. Et ouais, je vais aller avec lui. Petit truc sympatoche. Je vous laisse maintenant. Il n'y aura rien d'intéressant. On attend notre petite commande. Ouais, c'est gentil. Non, mais... Merci. Tu as compris. Ça fait plaisir d'être avec toi. C'est pour vous que je veux dire ça. C'est parce que nous, on va se poser, on va regarder Bosch. Il nous reste 3 épisodes. On a regardé les 6 saisons. Et encore une fois, pour ceux qui n'auraient peut-être pas entendu Bosch sur Prime Video, c'est formidable. Très très bonne série. Vraiment. Donc là, maintenant, il va falloir qu'on réfléchisse à une autre. Je vous fais un gros bisou. Je vous dis à demain. Demain, grosse journée. Plein de nouvelles choses à vous montrer. Et à demain. Salut.